Eyo. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien. On n'en sait rien, on va peut-être prendre une douche. Mais pourquoi pas, moi je veux bien essayer. On est sûr d'être trippé là. Prendre une douche. Ah ouais. Non, non, non. Oui, t'as pas une autre chose. Oui. Et l'eau n'est pas chaude. Quoi? Parce que là ça vole partout. Regarde. Regarde, oui. Ma deuxième bague. T'en as un là-bas en inox. T'as quand même le temps. Ah, c'est trop petit ça. Bamba, une noire aussi. Mets-nous dans le pot. Mais on en amène, hein. On en amène 16 machines. Allez, cadeau. Allez les nanas au boulot. La jacotte. Allez ma chérie. Faites pas sport. Maman Chantal. La deuxième maman Chantal. Mimi. Nabou. Eh bien. Les sacs sont là. Coucou. Coucou la mine. Ici c'est quoi? Je sais pas. Attention Chantal. Eh,
j'ai dit de sauter s'ils sont tous. On ne peut pas arrêter, c'est pas possible. C'est incroyable. Ça va, Jacob? Oui, ça va, on a chaud. On a soif. Voilà. Mais ça va. On a soif, on est bien. Oh là là, ça mouille, ça mouille. Les rideaux collent aux fenêtres, moi je te le dis. Hein. Homme 52 ans, femme 35 ans. Et il n'y a pas d'enfants? Et ensuite, si, c'est mes annonces après, hein, les enfants. Il me faut 3 sacs à main. Je n'ai plus de pantalon homme. Il faudrait me trouver un carton d'homme où il y a des pantalons. Il y a des jeans. Voilà, 3 sacs à main. De l'homme. Il n'y a pas de culottes. 2 soutiens-gorge. Là, c'est de l'homme. Ah bah attends, une aptèque. Attends, c'est quoi? C'est un enveloppe, non? C'est des pantalons. Il faut aller me chercher un carton de linge de maison. Linge de maison, voilà. Voilà un jean. Alors, on est homme, 52 ans, femme 35 ans. Tiens, ça c'est pour l'homme de 52 ans. Voilà, il me faut un autre carton. Ça, ceinture, chapeau. Un autre carton. Venez ici les filles. La.
Voici un premier atelier couture avec 5 machines et 5 tables offertes. Le deuxième atelier couture, également 5 machines à coudre. Alors, au village de Faoy, Sénégal, en présence de Mamadou Faye, chef du village, des notables du village, la population du village de Faoy et des représentants de l'ICS, dont Claude est le président, tous ensemble, nous sommes réunis pour inaugurer l'atelier de couture créé par l'ICS France-Sénégal. Fabienne Boiteau, vice-présidente, accompagnée ce jour de 4 bénévoles de l'association, Jean-Luc, Jacqueline Boyon, Chantal Viard et Mireille Corberan. Après avoir échangé sa passion des travaux d'aiguille avec Nabou Sey, habitant de Faoy, en mars 2012, ce projet se concrétise aujourd'hui sous l'initiative de Mireille Corberan, administrateur de l'association qui a fait preuve de pugnacité et des mouvements pour faire aboutir ce projet. Les dons récoltés en France nous permettent d'installer combien de machines ? 10 machines. 10 machines à coudre. Tables, fournitures, tissus et accessoires de couture nécessaires au développement de cet atelier. Le but de cette création est d'apporter aux femmes du village de Faoy une activité commune d'échange, de partage, de convivialité avec le savoir-faire de chacune d'entre elles pour améliorer leur quotidien. Nous officialisons le statut de cet atelier de couture et nommons responsable, avec le soutien de Mireille Corberan, sa marraine. Alors, qui est le responsable ? Chantal. Il va falloir qu'il nous épelle les noms. Donc, on déclare fait ce jour, 18 mars 2013, l'ouverture de l'atelier de couture. Allez au boulot ! J'ai fait cette boîte et puis je voulais tout équiper. Voilà, donc ça c'est pour l'atelier couture et c'est sous la responsabilité du président. Merci Mireille. Bravo. Mimi. Merci. Il pleure aussi. Ah ben, tout le monde pleure, voilà. Voilà, on a fait des petits panneaux pour accrocher l'atelier couture créé en mars 2013 par ICS France Sénégal. Ils mériteraient Tu rebaisses derrière, voilà, et tu appuies. Ouais, bravo. Merci. Là, tu redescends. Mmh. Après, tu repasses là-dessous. Mmh. Mmh.
Ay. Jean-Luc Dimarc.
transmet le savoir pour pouvoir conduire le tracteur à Indore et à Bac. La batterie, elle est là. Ça, c'est titre à gasoil. Il est changé pour le moment, il n'y a pas besoin d'y toucher. Le jour où il est ça, tu le prends, tu le sors, il se dévisse là. Tu le sors et tu le laisses changer quand tu le sors, c'est facile. Donc la batterie, alors la particularité, c'est que chez nous, les voitures, c'est le moins de la batterie qui est utilisée. Là, c'est le contraire, c'est le plus de la batterie qui est là-dedans. C'est un truc métallique, c'est pareil, ça se nettoie, ça ne change pas, il n'y a pas besoin de le changer. Il faut le nettoyer de temps en temps. Et en bas, là au-dessus, à l'intérieur, tu as le filtre à air, et là en bas, tu dévisses ça. Ça s'enlève comme ça, tu dévisses, tu enlèves le bas du récipient et... Bac prend les commandes du tracteur, accompagné de Claude. C'est une grande enseignante, ça. Ouais. Après, c'est à Indore de prendre une leçon. T'as de la chance, là. Ouais. Lui, il est supérieur à Sarkozy, hein. Ouais. T'as de la chance, là. Moi aussi, j'ai de la chance de l'avoir rencontré, de l'avoir connu. Ouais. Vous voyez Dijonais, je suis là encore. Vous me reconnaissez, je crois. C'est Ngor, ouais, votre homme à parole. Je suis là avec Tata Jacqueline, ma grande sœur Fabienne, mon père Claude, mon ami Jean-Luc, avec l'absente d'Harold. Il y a Jacob qui est encore une tata pour moi.
il y a maman Chantal. Et avec ça, au milieu de trucs, au milieu de la descente de tout ce matériel, vraiment, j'ai mon cœur qui est là. Un cœur que je suis prêt à vous donner. Vraiment, c'est agréable ça. Tout ce que j'ai vu de mes propres yeux, vraiment, je me sens bien déjeuner aujourd'hui, hier et demain. J'ai eu quelque chose qui me fait la peine. Hein. Le fait que je ne vous ai pas connu il y a 30 ans de cela, alors que j'ai 41 ans. Donc voilà. Alors, Harold, toi, ta place est là. J'ai eu une caisse à l'intérieur. J'ai rappelé à Claude que cette caisse-là, ça me sûr et certain que cette caisse-là, c'est Harold qui l'a rimée là. Et cette caisse-là, c'est Hugues qui l'a rimée ça. Vraiment, vous me manquez tellement. Si je vis sans vous, je ne comprends pas. Allez. Bisous. À tout le monde, bisous, bisous. Merci.